Apparemment, on dit KX, on t'entend pas. Fais gaffe si t'es pas mute. Ouais, je suis là. Autant pour moi. Ça m'arrive tout le temps. Donc, ça faisait plaisir d'avoir des joueurs qui ont le cœur à jouer Rachid, qui vraiment l'affectionne depuis le premier jour. Voilà. Tout à fait. Un Rachid du Day One, ça on peut pas lui cacher, même si tout de suite il vient prendre ce bagro pour un crush counter, l'arrivée au coin, mais il s'en sort avec une petite backshop et un petite erreur d'input là, ce dash avant. Ça devait être sûrement un projectile qui devait arriver. Mais on est pas passé par le neutral. Ouais, là c'est la chop hein, de Zera qui met stun avec derrière le Goado. Le petit combo qui va bien. Et le premier round pour le Gouki. Effectivement, on a pas mal parlé de Noara, mais Zera aussi, c'est un monsieur. On dit qu'il est invincible cet homme en free play. Quand il est solide, qu'il est bien dans sa tête avec son Gouki, il est d'une rigueur, d'une clarté assez impressionnante qui terrorise énormément de monde. Et pour l'instant, il a l'air dans ce mode. Ah là, c'est le pressing dans les cordes avec une première chop. Attention, le stun du côté de Noara, un combo et c'est la fin des haricots. Mais non, le stun redescend, mais toujours le pressing pour Zera qui va mettre stun d'ici. Medium kick. Et c'est Zera impérial. Un Zera impérial. Exact. 1-0 pour le Zera. Je rappelle hein, que c'est en 3 matchs gagnants. Tout le monde joue contre tout le monde dans chaque pool. Et le vainqueur de chaque pool, donc le meilleur classé, avec le plus grand taux de victoire. A savoir qu'on a déjà aussi une petite règle en cas d'égalité. Si A bat B et B bat C et C bat A, eh bien on a un processus qui permet de départager le meilleur joueur. Donc pas de souci là-dessus. Pas de souci. Bon, là c'était le premier match, oui. C'était l'échauffement, c'était histoire de voir. Et voilà, ce Eagle, hein, comme il le disait dans son jeu à mauvaise distance, qui a été puni. Les positions sont inversées. Bonne garde cross-up de la part de Zera qui trouve encore une fois le crush counter. Décidément, c'est compliqué tout de suite, relevé avec le saut pour Noaram. Noaram qui retrouve le positionnement intéressant, pressing, mais tout de suite vers Reversal dans la positivité. Bonne entière qui fait malheureusement double touche, mais il n'a pas trop le choix. Le pressing est bon, ça décale un petit chimie. Les entières sont présents. Noaram qui fait le match, mais qui se prend ce 2-1. Ouais, et là, du coup, quasiment zéro vital avec la chop qui permet à Zera de récupérer son round et d'être aux portes du 2-0. Noaram va falloir. Une technologie intéressante hein, avec Gouki, le bas petit pied qui vient éviter le pif de relevé de Noaram. Bien évidemment, il n'était pas collé. Ouais, et là, sur une erreur d'exé de Noaram, il se retrouve tout seul dans les cordes à gauche et le reverso pour justement sortir du pressing. Là, ça presse. Un coup de bas médium et le whiff punish. Oh, magnifique. Ouais. Punish, confirme Tatsu derrière. Mais les dégâts sont là. Et c'est le stun. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et 2-0 pour Zera. Et 2-0 pour 0. Pas mal. Je l'aurais jamais faite celle-ci. C'est vrai? Non, du tout, jamais. 2-0 pour 2-0 pour 0. Moi aussi, je sais le dire. T'inquiète pas, je sais Sharingan les phases. T'embrouille pas. En tout cas, là, pour l'instant, c'est expéditif. On voit toute la puissance gookienne. Ouais. Se mettre en place et malheureusement hein, les petites erreurs, les petites imperfections en footsie, en neutral de la part de l'ami Noaram se sont fait payer cher les deux matchs, mais ça peut aller très vite. Une fois ça sort et là il était en neutral, rien du tout. On aurait dit qu'il avait lâché le stick. Exact, ouais. Et là du coup c'est encore bientôt le stun, va falloir sortir du pressing, attendre que la barre de stun descende. Ouais, il cherche ça Zera, il vire verso pour conserver le pressing et le stun sur le ado. Là ça risque de tuer, hein. Avec les ressources. Ouais. Même sans ressources, hein. Attention. Bon, sans ressources, on l'appelle le calculateur. Le calculateur, la calculatrice Casio. Allez. Noaram va falloir gérer et empêcher Zera de poser son jeu. Essayer de jouer sur les. T'as vu le mixeur aérien là qui s'est fait choper par le dev kick. Complètement. Ouais. Mais on me dit dans mon oreillette chatienne qu'il est en train d'installer un main game Noaram. Ouais, j'espère vraiment, mais là ça fait mal. Mais ça va tuer, ouais. Malheureusement, il n'aura pas eu le temps de mettre en place toute sa stratégie incroyable, militaire, tel le manga Kingdom que je vous conseille d'ailleurs. Et donc 3-0 pour Zera. Ouais. Là, ça a été
ça a été un record, je crois. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et sans bavure, comme j'ai pu voir passer dans le chat.